Je t'ai dit d'arrêter de les provoquer, non? Combien de fois je vais te dire ça? Arrête maintenant. Tu ne t'en abstiens pas non plus. Je ne fais que suivre ton exemple. Ce sont mes neveux. J'ai une légitimité. Pas toi, l'étrangère qui essaie de les voler. Si tu continues de les provoquer comme ça, ils resteront braqués. Mais c'est elle qui a commencé. Je ne fais que rendre les coups, moi. Écoute, nous sommes dans une position pas tellement confortable, contrairement aux apparences. Tu commences à avoir peur d'eux maintenant. Je n'ai peur de personne, moi. Pourquoi ils te mettent dans des états pareils? Parce que j'ai un objectif à atteindre. Oh, on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Évitons de nous éterniser dans des batailles inutiles. Ce sont les petites batailles gagnées qui emmènent à de belles victoires, mon chéri. Mais pas ce genre de bataille de bassesse-là. C'est fini maintenant. Arrêtez. Évitons tout cela maintenant. Désormais, on va plus faire de provocations. On va passer à une nouvelle stratégie. On va changer de manière de fonctionner. Appelle Lucien. Réunion au bureau tout à l'heure. Ce sera fait. Très bien. Mais ne me gifle plus de la sorte. Surtout devant le chauffeur. Et encore moins devant les membres du personnel. Ne me gifle plus tout court. Sinon, je te tue. Vous voulez renoncer à la bagarre pour restituer à vos neveux tous les droits qu'ils vous réclament? Non, pas du tout. Loin de là. Heureusement. Car j'ai pris de sacrés risques en témoignant contre eux. C'est certain maintenant, je vais perdre mon boulot auprès de Maurice. Écoutez. Vous et moi sommes désormais dans le même bateau. Alors, il ne faut pas qu'il coule. Lucien. Je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Et tu en seras pleinement récompensé. Tu seras riche, sans avoir besoin de travailler. Même si mon frère revient. Aujourd'hui, si je te fais venir, c'est parce qu'il me faut ton aide pour la suite. Je vous écoute. Tu vois, mes neveux ont été beaucoup plus créatifs que je l'aurais imaginé. Il nous faut une nouvelle stratégie afin d'éviter le conflit frontal et la casse. Oui, mais vous pourriez éviter tout conflit. Il suffirait pour cela de prendre ce dont vous avez besoin et de partir d'ici. Après le dernier virement de 580 millions et les recommandations de la Cour, je préfère ne pas prendre des risques. Ça ne fera que leur donner des arguments et ils pourront me traduire au pénal. Et si leur papa revient? J'ai parlé au médecin. Même s'il sort du coma, ça prendrait des mois, des années. Et on a du temps. Du temps? Pourquoi exactement, si je puis savoir? Du temps. Pour transformer le groupe. Dans les prochains mois, nous allons quitter l'agro-industrie pour le divertissement. Ça rapporte beaucoup plus et c'est moins salissant. Mais vos neveux n'accepteront jamais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve un plan. Pour que je me débarrasse d'eux définitivement. Mais sans trop de casse. Eh bien, monsieur, le conseil que je peux vous donner est le suivant. Ne combattez pas vos neveux. Mettez plutôt la zizanie entre eux. Là, ça commence à devenir intéressant. Continuez. Eh oui, la bonne vieille recette. Diviser pour mieux régner. Nos anciens ne nous enseignaient-ils pas que des tiges de bâtonnets ensemble sont pratiquement impossibles à briser? Par contre, si on les détache et qu'on les sépare, alors on arrive à les briser un à un. Un conseil judicieux.
Ce n'est pas que je veuille briser votre enthousiasme, mais il faudrait au préalable pouvoir les séparer. Toute force a une faille par laquelle il faut entrer. Quelle est la faille des enfants de mon frère? Le maillon le plus faible des trois. Henri.